Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de test, enfin même pas de test, de présentation, pardon, de preview même, de l'Alcatel OneTouch Star. Le test, ça sera pour une autre fois. Le téléphone a été, si mes souvenirs sont bons, annoncé à l'occasion du CES de 2013 qui se tenait à Las Vegas. Aujourd'hui, on est au MWC qui se tient donc en février à Barcelone. Voilà, ce fameux Alcatel OneTouch Star qui, clairement, au regard de ses spécifications, au regard du téléphone en lui-même, sera probablement à l'entrée de gamme. Maintenant, je n'ai pas d'indication de prix à vous donner. J'en avais déjà parlé rapidement sur le blog, notamment il y a quelques temps, lorsque je vous avais fait une petite annonce, notamment des petites rumeurs sur les Alcatel qui allaient sortir. Et bien voilà. Donc, alors, ce que l'on peut se dire aujourd'hui, c'est que c'est un téléphone qui est plutôt relativement compact quand on le prend en main. Alors, je dis relativement compact, c'est quand même un écran de 4 pouces, mais ça reste plus compact que les monstres de 5 et 6 pouces que l'on a vu arriver sur le salon cette année. Et voilà. Donc, on est sur un téléphone qui fait 4,0 pouces, donc de diagonale, qui a donc une résolution WVGA, qui est un AMOLED, donc ce qui veut dire qu'en théorie, en termes de couleur, en termes de contraste, on est plutôt pas trop mal. Pour le reste, je vais faire un petit tour du propriétaire. Donc, en termes de design, là, on a une version qui est rose, mais il en existe aussi des versions argentées, par exemple, et des versions noires, blanches. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce téléphone? En face avant, on trouve l'écran 4 pouces, on trouve 3 touches sensitives rétroéclairées. Ils sont typiquement les touches sensitives rétroéclairées de les touches sensitives des téléphones fonctionnant sous Android. On a au-dessus des détecteurs, des capteurs, donc capteurs notamment de luminosité, une sortie son, donc l'écouteur principal, et ici la caméra frontale. La caméra frontale est à côté, une petite LED de notification qui d'ailleurs s'allume en blanc quand le téléphone est en charge. Donc voilà, je pense que d'ailleurs elle n'a qu'une couleur, cette LED de notification. Sur le dessus du mobile, on retrouve donc le bouton on off, le jack 3.5. Sur le côté droit du mobile, on n'en retrouve rien. Sur le dessus du mobile, on retrouve la connectique micro USB qui permet de synchroniser et de charger le téléphone et une entrée micro primaire. Sur l'arrière du mobile, on retrouve le capteur photo principal, donc 5 mégapixels avec flash LED. On retrouve donc d'ailleurs qu'il possède une fonction VGA, caméra VGA. On retrouve un haut-parleur ici, et on retrouve une deuxième entrée micro destinée à tout simplement enlever le bruit extérieur, le parasite extérieur. Et sur le côté gauche, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais on retrouve le contrôle de volume plus moins. Donc il s'agit donc d'un téléphone qui fonctionne sous Android, ça je vous l'ai évoqué il y a quelques instants. Un téléphone qui fonctionne sous Android, qui est à peine retravaillé. Donc on va dire même qu'il n'y a pas vraiment de surcouche, ni fonctionnel, ni graphique. On est vraiment sur la base en termes de graphisme. Ça a été un peu retravaillé certes, mais voilà, on n'est pas sur une débauche d'effets spéciaux sur cet Android. Donc on reste sur un système d'exploitation qui est somme toute assez basique et qui est donc Android 4.1. À côté de ceci, en termes de spécifications, alors on a un processeur double cœur qui est un processeur double cœur 1 GHz, on le voit ici sur la petite fiche technique. Donc tout ça est épaulé par 512 MO de RAM, on a 4 Go de mémoire de stockage interne, lesquels sont en fait limités à 2,4, le reste est squatté par le système d'exploitation et le système d'exploitation des applications natives. On a la possibilité d'ajouter une carte micro SD probablement sous le cache batterie qui se trouve ici, donc à côté de la batterie ou sous la batterie. Donc une carte micro SD allant jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire, sachant que la batterie, comme je vous l'évoquais, fait 1500 mAh de capacité. Enfin, ce téléphone existe en version simple SIM ou en version double SIM. Voilà, donc c'était la vidéo de présentation de l'Alcatel OneTouch Star, un téléphone qui est proposé aussi donc en différentes couleurs, ce que je vais vous montrer ici. Et voilà. Le fameux Alcatel OneTouch Star, un téléphone donc qui sera certainement à l'entrée de gamme sur le marché français. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo, à bientôt, ciao ciao.